cette famille m'a trouvé au sein du RPG Arc-en-Ciel. Avant même l'arrivée de cette famille, moi je menais mon combat. Le volume, il est bon maintenant. Et je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un, parce qu'au moment où je faisais plaisir alors à certaines personnes, qu'est-ce que j'ai gagné dans ça? Absolument rien. Ce qui est sûr, personne, le parti RPG Arc-en-Ciel, c'est un parti transversal. C'est mon parti, c'est ton parti à toi. Tu es obligé de respecter ça. Et ceux qui m'ont fait adhérer au sein du RPG Arc-en-Ciel, je les rends un vibrant hommage. À cause d'eux, je resterai éternellement reconnaissant à ce parti. Et je suis encore militant de ce parti. Mais si le fait d'encourager quelqu'un à suivre la vérité, d'arrêter d'insulter les gens, d'arrêter de calomnier les gens, d'arrêter même d'insulter les morts, cela veut dire que tu es un traître. Là, alors je suis un traître. J'assume cette traîtrise. Je l'assume. Mais, je vais vous rappeler une chose. Cette femme que certains sont là en train de soutenir dans les injures actuellement, elle était avec plus de 10 amis aujourd'hui qui l'ont tous quitté. Je vais commencer à rafraîchir la mémoire de certains parmi vous. En première position, la même que je qualifie de femme dangereuse aujourd'hui, j'assume. Elle était auparavant avec Barry White. Comment ils se sont séparés? À queue de poisson. Barry White est là, il peut en témoigner. Je ne parle pas pour parler, juste pour parler. Après Barry White, il y a eu qui? Damaro. On pouvait dire qu'avec Barry White, peut-être la fille avait raison. Il y a eu le cas Damaro. Damaro l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Damaro qui est aujourd'hui aux États-Unis. Damaro l'a traité de mythomane. L'a même emprisonné ici, Damaro. Ils se sont séparés. Comment? Il a fallu l'implication de Corboya Baldé pour que Damaro retire et récupère son passeport, y compris ses bagages. On l'a interdit de sortir dans le pays. Qui l'a fait, si ce n'est pas elle? Moi, le problème, c'est elle qui m'a provoqué. Sinon, moi, j'étais là, en train de la conseiller. T'arrêter d'insulter les gens. Tu insultes les gens, on va te casser la gueule. Ça, c'est clair. Tu insultes les gens, on va t'emprisonner. Tu insultes les gens, on va t'emprisonner. Tu es censé mener le combat pour soutenir le RPG, mais personne ne pourra se baser. Personne ne pourra s'adosser du RPG Arc-en-Ciel pour insulter les gens. Le RPG n'est pas un parti violent, je l'assume. Le RPG Arc-en-Ciel, c'est un parti de paix, d'unité. Un parti transversal. Mais Fatou dont vous défendez, c'est une mythomane, je l'assume. Elle ne peut pas se taire, elle ne peut pas arrêter d'insulter les gens. Elle insulte les gens, on va la casser la gueule. On va lui casser la gueule. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. On est passé par tous les moyens.
pour essayer de la faire comprendre, ce n'était pas la solution. La solution, c'était d'arrêter d'insulter les gens. La solution, c'était de présenter des excuses. La solution, ok, si tu n'es pas prête à présenter des excuses, ferme ta bouche. On nous traite, je ne sais, de traite. J'assume. J'assume. Après Damaro, Damaro est parti difficilement aux États-Unis. Après Damaro, il y a eu qui? Binani Ba. Le jeune militant et sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, Binani Ba, que tout le monde connaît. Elle a même été à la base du divorce entre Binani et sa femme. Vous pensez que... Où est Binani aujourd'hui? Vous savez, il y a certains détails, moi, ce n'est qu'une petite partie. Une petite partie de l'information que je suis là en train de vous donner. Binani a fini par quitter. Mais ça l'a coûté de la quinine parce que sa femme l'a quitté. Ils se sont séparés, je vous le jure. Après Binani, on met Binani de l'autre côté. Après Binani, il y a eu les deux petits qu'elle a recrutés pour insulter les gens. Ces deux petits-là, où sont-ils aujourd'hui? Je parle de Tcherno White. Où sont-ils? Tcherno White même est presque même excommunié de sa communauté à cause d'elle. À cause d'elle. Donc, le petit aujourd'hui, il est. En le faisant croire que oui, c'était ça, je vais t'amener en Europe. C'est ceci, c'est cela. Ok. Ces deux-là sont partis. Ils sont partis. Il y avait le petit aussi qu'on appelait Dingirai qui était avec elle. Le petit a fini par quitter. Vous pensez qu'elle, elle est blanche? Elle n'est pas blanche. Mais elle saura. Elle saura. Je dis une chose. Moi, ils m'ont trouvé au RPG, peut-être qu'ils vont me laisser au RPG. Mais ce qui est sûr, dans mon combat politique, je l'assume, je l'assumerai encore. Je suis du RPG, mais je ne vais pas m'adosser du RPG pour insulter quelqu'un. Je ne le ferai jamais de ma vie. Si je l'ai fait, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai eu des remords. Je suis venu, j'ai présenté des excuses à certaines personnes. Je l'assume, je suis fier de moi. Ça m'a grandi. Mais après ces jeunes-là aussi, il y a eu, en fait, un petit qui est là, qui était avec eux auparavant. Le jeune qu'on appelle Mengay. Où sont-ils? Ils se sont séparés comment? Ils se sont séparés. C'est une mythomane. Je l'assume. Elle est hyper dangereuse. Je l'assume. Je ne veux même pas la sentir. C'est ça la réalité. Une personne qui te dit qu'il faut faire du bien. Si tu traites la personne de mauvaise, une personne mauvaise, Je vous le jure. Si elle ne fait pas attention, elle va très mal finir. Ceux qui sont là en train de faire des commentaires sur Facebook, mes félicitations, tu es la meilleure. C'est des petits militants. Les vrais responsables du RPG Arc-en-Ciel, ok, si alors c'était le RPG qui la soutenait dans ça? Les responsables du parti sont là. Ils allaient au moins faire une déclaration. Mais depuis qu'il y a eu l'affaire là, vous avez entendu un responsable du parti en parler au niveau du siège.
Vous avez entendu un responsable du parti faire des déclarations là-dessus? Parce que personne ne va soutenir les injures. Il faut que ça soit clair. Je suis du RPG, je l'assume. Mais je ne vais jamais soutenir les injures. Et si moi, Corboya, aujourd'hui, j'étais sur le même chemin, je vous prie que personne, je n'ai besoin du soutien de personne. Je n'ai besoin du soutien de personne. Attendez, je vais essayer de satisfaire certaines personnes. Parce que s'il y a en fait des injures dans les commentaires, je vais essayer de mettre la personne de l'autre côté. Parce que je vais essayer de bloquer la personne, c'est clair et net. Voilà. Comme je le disais, alors moi, Corboya Baldé, je suis un RPGiste convaincu. Ma nouvelle vision, c'est de mener le combat sans insulter les gens. Et maintenant, moi, j'ai accepté de demander du pardon. J'ai demandé... Attendez, hein, y a certaines personnes qui sont là en train d'insulter. Je vais essayer de les aider. Je vais essayer de les aider parce que c'est très important. Voilà. Et là, il y a eu une autre amie fidèle à elle. Elle montait, elle descendait, elle faisait tout ensemble. Cette amie l'a conseillée. Pour finir, elle préfère la traiter de lâche aussi. Elle est plus lâche que tout le monde. Elle est plus lâche que tout le monde. Celle qui insulte tout le monde comme ça, on te dit d'arrêter d'insulter. Tu viens, tu nous tympanises de lâcheté. Et puis, plus ça, vous allez voir les conséquences de ça. Vous allez voir les conséquences de ça. Moi, Corboya, je ne vais jamais insulter. Quelqu'un. Et personne aussi. Le RPG Arc-en-Ciel, c'est pas un parti. C'est pas une propriété privée de quelqu'un. Personne ne m'a amené là-bas. Celui qui m'a amené là-bas, je lui resterai redevable. Et je resterai au sein du RPG. Mais que personne ne compte sur moi. Que personne ne compte sur moi pour soutenir des injures. Je resterai RPG tout en respectant mes adversaires politiques. Je resterai RPG tout en respectant les principes de l'adversité. C'est ça, mon objectif. Si on essaye de la conseiller de faire comme nous, d'accepter, de dialoguer, d'accepter, de demander un pardon, tu refuses, tu vas voir. Il faut que ça soit clair. Mais c'est pas parce que je suis là en train de dire mes quatre vérités à Fatou Niello que des petits militants qui ne sont même pas reconnus dans le parti vont me dire que non, c'est parce que il veut quitter. Depuis fort longtemps, moi je les ai toujours dit ça. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Moi je les ai toujours conseillés, même quand nous étions au sein du pouvoir, au plus profond du pouvoir. Je les ai toujours conseillés. Je les ai dit, menons le combat, le RPG a des acquis. Le professeur Alpha Condé a des acquis. Le professeur Alpha Condé a travaillé. Il y a des acquis, il y a des hôpitaux, il y a des hôtels. Hein? Il y a des hôtels. Prenons ça, communiquons sur ça que d'insulter les gens. Communiquons sur ça. Le RPG a des acquis. Le professeur Alpha Condé a un bilan positif. Pourquoi ne pas se focaliser sur ce bilan? Quoi de se focaliser sur une personne? Insulter même ses parents qui sont dans leur tombe, qui n'ont rien à voir,
qui ne savent même pas que leur enfant, est en train de faire de la politique. Mais quand même, il faut être un monstre pour soutenir ces genres de propos. Il faut être vraiment un militant impoli pour soutenir ces genres de propos. Il faut, il y a des acquis, le RPG a des acquis. Il faut communiquer sur les acquis du RPG. Mais venir insulter les gens, penser que toi tu penses qu'après les gens vont te soutenir sur ça. En tout cas, moi ne compte pas sur mon soutien. Et je le dirai haut et fort, je l'assume. Que personne ne compte sur moi, sur les injures. C'est ça, c'est clair. Maintenant, si c'est ce qui veut dire que ouais, toi tu as trahi, tu es là. J'assume ma lâcheté, je suis fier de ma lâcheté là. Je suis très fier de ça. Tout le monde a quitté Fatou Nielou. Tout le monde a parlé à Fatou Nielou. Tout le monde, elle refuse de comprendre. Si quelqu'un vient me dire ici, parce que je dis que moi, je ne vais pas soutenir Fatou Nielou dans le mensonge, dans ses calomnies, Kongayo, tellement fait ça, tellement fait. Laisse ça, le parti est là. Le parti RPG a des acquis. Voilà. Et personne ne m'a mis en contact avec le président de la République. Personne, c'est lui en personne qui m'a contacté. C'est lui en personne, ça soit clair dans la tête de tout un chacun. Moi, je resterai éternellement redevable au professeur Alpha Condé. Je suis fier du professeur Alpha Condé. Je suis fier du RPG. Mais, je ne suis pas d'accord avec eux. C'était des amis. J'assume, c'était des amis. Le jour où ils vont changer aussi pour arrêter d'insulter les gens, mais avant qu'ils ne changent, je ne vais jamais les soutenir. Il faut que ça soit clair. Oui. Voilà. Il faut que ça soit clair, hein. Que personne ne se base sur le RPG pour insulter les gens. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a apporté au RPG? Les injures là. Tu penses que ça peut apporter quelque chose au RPG? Allez chercher les militants, amenez-les, allez sensibiliser les gens, critiquer nos adversaires politiques, mais dans le sens positif. Dans le sens positif, c'est ça. C'est ça de la politique. Mais si c'est de venir ici insulter les gens, père et mère, parler de leur partie intime, dire que toi tu es du RPG, dire qu'il faut que les gens arrivent à te soutenir, mettre à mal les communautés, telle et telle, juste pour avoir le soutien. Moi, ne compte pas sur mon soutien. Et quiconque m'appelle aussi pour me dire de te soutenir, je vais parler mal à la personne. Le jour où tu vas arrêter, tu vas revenir sur terre, je vais accepter. Mais avant ça, moi je suis dans mon coin. Et quiconque me provoque aussi, vous allez voir, on va partir directement. Directement, il n'y a pas midi à 14h. C'est direct. On vous dit d'arrêter d'insulter, revenir demander pardon aux gens. Vous nous qualifiez de lâches. Et puis, moi j'y... Alors, toi tu ne vas pas présenter des excuses. Mais si moi, Corboya, j'ai eu des remords, je me suis dit, attends, je vais présenter des excuses, c'est la moindre des choses. Je présente des excuses, la même chose, elle essaie d'ouvrir sa bouche pour me dire que moi je suis lâche. C'est comme ça aussi, lorsque nous étions dans les affaires, j'ai dit à celle d'Alain de me pardonner. La même est partie jusqu'à me traiter de lâche, que le moment n'était pas opportun. Il y a un moment pour... il faut faire du bien. Chaque jour que Dieu fait, il faut faire du bien. Chaque jour, profite pour faire du bien. Il n'y a pas un moment précis pour faire du bien. Tous les jours, il faut faire du bien. Le bien, c'est quoi? Le bien, c'est quoi? Il faut reconnaître tes fautes. Il faut accepter de demander pardon. Moi, tu sais, il y a certaines personnes ici. Moi, je ne vais même pas vous calculer. C'est important ce que je suis là en train de dire. Je le dis et je l'assume. Le jour où
la même famille va redescendre sur terre tout en présentant des excuses parce qu'ils ont insulté. Ils ont insulté les gens. Et les injures, ils font partie des gens même qui ont encouragé les injures sur les réseaux sociaux. On les dit d'arrêter, vous nous traitez de traite, je ne sais, de lâche. J'assume ma lâcheté. Et s'il s'agissait de refaire la même lâcheté pour demander pardon, pour dire aux gens là, attendez, vous et moi, prendre son téléphone ici, faire un direct, insulter les gens, manquer du respect aux gens, vous êtes fiers de ça? Vous êtes fiers de ça? Vous voulez encourager les gens à le faire? Alors moi, si je l'avais fait auparavant, je ne le ferais plus. Et si je vois quelqu'un aussi en train de le faire, parce que ma bouche là, c'est ma bouche. C'est ma bouche. Vous comprenez? Personne ne pourra m'empêcher de parler. Mais au fur et à mesure, on va parler. Comme c'est ce que vous voulez. Mais si tu sais que tu n'as pas peur, tu insultes les gens, sors. Sors. On te dit d'arrêter, tu nous dis non, c'est ceci, c'est cela. Tes amis t'appellent pour que tu arrêtes d'insulter, tu dis non. Tes mêmes amis prennent l'initiative pour aller chez Hadja Halimatou Dalen Diallo pour présenter des excuses. Tu appelles tes amis là pour les insulter. Ou vous pensez qu'elle peut avoir le soutien de quelqu'un? Elle peut avoir le soutien de quelqu'un? Les amis, ils partent pour plaider, pour demander pardon à la famille d'Alain. La fille dit non, vous êtes des lâches, vous m'avez trahi, vous êtes des lâches. Elle, tout le monde est lâche. Mais tu te rendras compte un jour que tu es plus lâche que tout le monde. C'est ça la vérité. Tout le monde te dit, arrête, tu refuses. Tu viens ici, nous quand on essaie de sensibiliser, quand on essaie de plaider à ta cause, tu nous traites de lâche. Tu es plus lâche que tout le monde. Hein. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Mais si tu veux qu'on parle, on va parler. C'est quoi ça? Moi, personne ne m'appelle à cause d'elle. Personne. Je préfère même soutenir son jeune frère que de la soutenir elle. Elle est plus dangereuse. Si vous voyez aujourd'hui que son jeune frère est dans cette situation, c'est elle. C'est ça la vérité. C'est à cause d'elle que son jeune frère est jusqu'à présent en prison. On vient, on te dit, va, tu vois, tu demandes pardon. Elle était avec plus de 20 amis. Aujourd'hui, c'est 20 amis là. Peut-être elle est seule maintenant. Tout le monde a fui. Tout le monde. C'était juste une petite précision. Mais vous me permettez, je vais revenir après. Je vous prie humblement de ne pas soutenir le mensonge. Le RPG n'est pas un parti violent. Je suis du RPG, je l'assume, je suis du RPG, fier de mon parti. Mais je ne vais pas, à travers le RPG, manquer du respect aux gens. Je ne vais pas m'adosser du RPG pour insulter les gens. Si j'aime le RPG, le professeur Alpha Condé a des acquis. Je vais communiquer sur ses acquis. Tous ceux qui aiment le RPG et le professeur Alpha Condé, il y a des acquis. Parlons des acquis. Parlons de l'histoire du RPG arc-en-ciel. Que de venir insulter les gens et dire que non, c'est parce que je suis du RPG, j'ai quitté l'UFDG. Est-ce que nous étions les seuls à quitter l'UFDG pour rejoindre le RPG? Non. Mais qu'est-ce qui a aggravé la situation? C'est parce que nous avons à un moment donné insulté. Sinon, il y a les Bantamasso là-bas, il y a les Baousmane, il y a eu les Moutar Diallo, Il y a eu les Ntelo, il y a eu les Makandenda, il y a eu de tels et tels et tels et tels. Ils sont là-bas, ils font la politique. Mais est-ce qu'ils ont une fois insulté quelqu'un? Non. Ils n'ont pas insulté. Le fait de dire à quelqu'un de ne pas insulter, si c'est ce qui veut dire que tu es traître, j'assume.
Vous, vous pensez que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes là en train de l'encourager. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Alors moi, Corboya, ils m'ont trouvé au RPG Arc-en-Ciel. Je suis plus ancien. Et moi, avant même d'arriver au RPG Arc-en-Ciel, j'étais une star. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Moi, avant même d'arriver au RPG Arc-en-Ciel, j'étais une star. Une star très connue, très populaire, très aimée. Très aimée. Il faut que ça soit clair. Hein. Moi, c'est pas au RPG qu'on m'a connu. Hein. Moi, avant même d'arriver au RPG, j'étais connu. Mais ce qui est sûr, je vous le jure, je ne vais jamais me baser du RPG Arc-en-Ciel pour insulter quelqu'un. Je ne vais jamais me baser du RPG Arc-en-Ciel, mon parti, pour manquer du respect à quelqu'un. Je me baserai toujours des arguments. Je me baserai toujours des arguments. Les arguments politiques. En faisant un bon débat avec des adversaires. Mais pas avec les injures. Ouais, il faut. Ouais. Mamadou Timbosso, franchement, même Corboya, il faut demander à tout le monde. Moi, je sais pas aujourd'hui que moi, Corboya, je suis connu. C'est pas aujourd'hui que je suis connu. Moi, j'étais une star même avant d'arriver au RPG Arc-en-Ciel. Très connu, très aimé. Très aimé. Franchement, il faut que ça soit clair. Donc, c'est pas à ce moment-là que je vais sortir ici pour manquer du respect aux gens. Celui qui te dit d'arrêter d'insulter les gens, suivre le bon chemin, te repentir, être dans la société, être avec ta famille, hein? Vraiment, c'est ton ami. Mais si après on nous traite de lâche, c'est toi qui es lâche, pas nous. Nous, parce que nous voulons que tu sois sur le bon chemin. Il faut que ça soit clair. N'encouragez personne à faire du mal. N'encouragez personne à insulter. Le RPG n'est pas un parti violent. Je suis libre de critiquer Selou Dalin. Je suis libre de critiquer Hadji Alimat. Je suis libre de critiquer l'UFDG. Je suis libre de critiquer tous les militants du RPG et tous les responsables. Je dis du RPG, de l'UFDG. Mais pas les injurier. Pas pour les insulter. Il faut que ça soit clair. Maintenant, si le fait que j'ai dit que je ne vais pas insulter, d'autres pensent que j'ai quitté le RPG. Attention, je n'ai pas quitté le RPG. J'ai dit à tout le monde. J'ai dit, je suis dans mon coin. Hein? Je suis dans mon coin. Je suis RPGiste, fier de l'être. Je vais participer à l'évolution du parti. Je vais amener les militants. Je vais assister aux réunions politiques du parti. Mais tout en respectant mes adversaires politiques. C'est ça ma vision. Et c'est cette vision que j'ai voulu. J'ai voulu les léguer. On me dit non. On me dit, quitte ici, tu es lâche. Quitte ici, tu es lâche. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ma lâcheté, là, je l'assume. Quitte ici, tu es lâche. Tout le monde. Toi, tu étais avec plus de 20 personnes. Chaque fois, c'est des calomnies. Chaque fois, c'est des injures. Tout le monde est lâche chez toi. C'est grave. Et je vous remercie. Je vais revenir d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Oui. Et Fatima Yanka Kamara, wallahi billahi, je vous le jure, je l'ai dit d'arrêter d'insulter. Wallahi. Je prends Allah et mon témoin. Et ça, je le dis en connaissance de cause. Et Allah wa intingen yimbe bon beben Allahumma amin jabe Allahumma amin de Allah danduen bone bondo Allahumma amin Allah landon barki ko an waawi jogi ittu ko bawgalma wada bernde moddunde bernde yidunde gonga bernde moddinaynde hakkunde ginen beben harna bernde ukkaynde désordre hakkunde ginen beben Allahumma amin barki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana aqina azaban nar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima Allah jabin du'a.